Comment qualifieriez-vous votre rencontre avec Francis Huster? Jérémy Banste, nous deux, si esti Nadal et Djokovic, on n'est pas des joueurs de fond de cours. Francis est comme un athlète de haut niveau qui a déjà tout gagné. Face à lui, on élève forcément son niveau de jeu. Votre duo pourrait-il avoir une suite? Avec la production, nous adorerions. Non pas dans l'idée de reprendre nos personnages, mais plutôt dans celle de nous renvoyer à nouveau la balle sur un plateau de tournage. Malgré nos différences, Francis et moi partageons la même passion pour notre métier, cette dimension jusqu'au boutiste dans l'exercice de notre travail. D'autres aventures vous attendent-elles d'ici là? Je vais attaquer un très beau téléfilm pour France 3, Les Mystères de la Duchesse, que nous allons tourner mi-mars à Angoulême avec notamment Laurie Pesté, Ludmila Mikael et Daniel Lebrun. Et cet été, je devrais réaliser le pilote d'une série pour Netflix. Vous étiez au Festival Télévision de Luchon en tant que juré, mais aussi pour présenter un documentaire que vous produisez, Le Cri des Goélands. En France, 30% de l'impact carbone sur l'environnement est dû au transport des déchets, qui font des kilomètres pour être détruits. Après 4 ans d'enquête, la réalisatrice Gisèle Casabianca démontre que si l'on réduisait nos détritus, si on triait le plastique, le carton, le verre et les biodéchets, on réglerait 80% du problème. En tant que producteur, mais surtout en tant que citoyen, il était impossible de ne pas relayer cette prise de conscience. Avec Cantina Studio, la société que nous avons créée avec Olivier Comperet et Fabien Montagnier, nous travaillons aussi sur des portraits d'artistes pour le groupe M6, comme Céline Dion, Gims ou Patrick Bruel. D'ailleurs, si est-ce souvent moi qui fais les voix off. Votre compagne, Marie-Gaëlle Kahl, incarne Cécile dans Un si grand soleil. Continuez-vous à échanger sur la série, que vous avez quittée l'été dernier? Précision, Marie n'est plus ma compagne depuis plusieurs mois. Tout se passe très bien, mais concernant notre vie privée, je ne dirai pas plus. Loading Widget.